Bon, ben arrêtez ça avec tes moments. Hein? Là, j'ai pris vos deux cadeaux pour vos maîtresses, puis j'ai mis ça dans vos sacs d'école. Fait que la première chose que vous allez faire en arrivant dans la classe, c'est prendre vos présents puis les donner tout de suite à vos maîtresses. Vous avez bien compris? Oui. Bon. Puis toi, là, Hélène, tu vas donner la main à Nathalie, hein, t'en allant à l'école. Puis toi, Nathalie, tu vas faire attention de pas trop bousculer la petite. D'accord. Hein? Bon. Allez, vous pressez pas trop, petite fille. Papa va vous amener à l'école en allant à la coopérative. Ah, hein? Ben vous êtes chanceuse. Il fait froid matin, je pense. Bon, mais puisqu'il nous reste du temps, allez chercher votre linge. Maman va vous aider à vous habiller. Hey, je te dis que je suis pas fâché que le temps des fêtes soit fini, moi. Comme ça, le travail va pouvoir reprendre un peu plus sérieusement. C'est notre fils, tu portes bien, hein? Il semble qu'il a pas mal engraissé depuis quelque temps. Et qu'est-ce que tu veux? Il est comme tout le monde. C'est le temps des fêtes, hein? Puis à part ça, ben, je prends bien moins d'exercice. Je me repose bien plus. Bon, ben ça, c'est parfait. C'est toi qui dirige ici. T'as rien qu'à donner des ordres. T'as du monde pour t'aider, là, tu le sais. Oublie-les pas, ça. Apprends à commander. Crépon! J'ai eu ma leçon. Ouais. À part de ça, ma tante Matou me surveille comme du lait sur le feu. Heureusement qu'on l'a, celle-là, je te dis. Ben, elle me fait passer un chien de garde. Ben, c'est en plein ça qu'il faut. Puis, à part de ça, tout va bien? Et depuis quelque temps, j'ai pas mal été à la coopérative, hein? Ça marche sans bon sens. Ben, ouais. Tu sais, faut faire une fournée de plus. Depuis qu'on fait des runs aux alentours, des endroits où ils n'ont plus de boulanger. Puis, dans le temps des fêtes, la boulangerie, ça n'a pas dérougé. Ma tante Matou puis moi, là, on a assez fait de chaussons, puis de tartes, puis de beignes, puis de carré au lac, comme je te dis. On a quasiment une indigestion. Ben, c'est comme moi, vois-tu, depuis quelques jours, j'ai pas mal étudié les résultats de nos premières assemblées. Ben, évidemment, il faut pas partir en peur, mais je pense que on fait une bonne chose en prenant une partie des locaux pour ouvrir une nouvelle quincaillerie. Mais tu sais, quand tout ça va être mis en marche, moi, à la coopérative, je vais me trouver un peu comme un genre de secrétaire général, un gars engagé avec un salaire. Ça sera peut-être pas un gros char au début, mais j'ai bien confiance. Les membres ont l'air bien contents. Ouais. Ils ont l'air emballés par les projets que vous allez mettre en marche. Quand je pense que c'est toi qui as parti ça, cette idée-là, hein? Oh, non, ben non. Tu sais, c'est un projet qui avait dans l'air, ça, depuis un an ou deux. Moi, je n'ai juste parlé un peu plus, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as l'air tellement content. Tu travailles fort, mais t'as l'air satisfait. C'est pas que ça allait pas bien quand t'étais à boulangerie avant avec ça. J'ai toujours aimé mon métier, moi, puis je l'aime encore. Mais encore aujourd'hui, quand je rentre dans la place, là, puis que je sens la bonne odeur du pain, là, je sais pas, c'est comme si je retrouvais du bonheur à respirer. Non, c'est sûr que j'aime ça aussi, les affaires. Mais si je peux m'occuper tranquillement de ce qu'il y a de l'autre bord, c'est parce que je sais qu'ici, tout va bien. Puis ça, c'est à cause de toi. Je t'en remercie bien gros, ma femme. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, moi aussi, je me sens un peu comme un chef d'entreprise. Je trouve ça intéressant. Puis je me trouve bien chanceuse à part ça, de pas être obligée d'aller chercher de quoi à l'extérieur pour m'occuper. Ouais. Bon, ben, je vais te laisser avec toutes tes occupations. Là, les petites, sont-tu prêtes? Hélène? Nathalie? Papa est prêt, là? Lisa. Tu sais, je rentrerai peut-être pas pour manger, ça. Hein? Oh non? Non. Lisa. Allez, petite. Mais t'aurais dû me le dire, je t'aurais préparé des sandwichs. Ben non. J'ai une coupe de rendez-vous, mais occupe-toi pas de ça. Pas parce que j'ai pas le temps d'aller manger quelque part que je peux pas vivre un peu sur ma graisse. Laurent, c'est pas bon sauter un repas. Je vais t'apporter ta boîte à lunch. Bon, si tu veux. Ben oui, mais ça va me faire un peu d'exercice, là. C'est bon pour mon état. Puis dis donc, lui, peut-être que je dise au revoir aussi à notre fils. Hé, hey, dis pas ça! T'as cru que t'es encore une fille, tu vas être déçue. Ben non, on sait. C'est juste qu'on va être obligé de se reprendre. Bonne journée. Oui, ça va être là, parce que vous allez être en retard. Bonjour, Hector. Bonne journée, monsieur Dantin. Enfin, vous voilà, vous autres. Comment ça, nous autres? Ah, ben toi, Robin, ça va, t'es quasiment en avance pour ta tournée. Mais toi, Lisiane, je te dis que j'ai pas de félicitations à te faire. Sais-tu que t'es quasiment 2h30 en retard, ma petite fille? Ben oui, excuse-moi, Berthe. J'étais déjà en retard, puis juste comme je sortais, Robin passait. J'avais pas mangé. J'avais le ventre cru, fait qu'il m'a amené déjeuner, misère de calmaire. Bien sûr.
Parce que tu peux pas te lever à l'heure comme tout le monde. C'est ton réveil qui a pas sonné? Ben, Christophe, pas mal tout ça à fouet. Sais-tu que tu divines pas mal tout, toi, Berthe? Ben, avec le temps, on commence à prendre l'habitude, hein? Oh, en tout cas, t'es pas mal cool, hein? T'es une femme qui comprend tout. Et toi, je t'ai pas demandé ton avis. Je parle avec Lysiane. Je pense qu'on t'a donné pas mal de chance. Moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de probe au magasin. Si t'es pas capable d'être sérieuse, ben, je vais être obligée de te mettre à la porte. Hey, fâche-toi pas, Berthe. À matin, je suis bien décidée sa dernière fois. Promis. J'avais vu à mettre ton réveil à l'heure. Comme tu t'es pas levé tout de suite, tu t'es rendormi. Ben, si la patience de Mme Berthe est à bout, tant pis pour toi. T'as rien d'autre à faire, là, toi? Ben, tu l'as dit toi-même, je suis en avance sur mon temps. Je suis bien sûr que le pain est pas sorti du four. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ben vrai, dis-le, le pain. Il est sorti, le pain? Ben, certain qu'il est sorti. Puis t'es pas gêné, le jeune. J'ai pas l'habitude de me faire parler sur ce ton-là. Mais c'est vrai, Robin, ça n'a pas d'allure. Et que t'as donc pas de manière. C'est pas surprenant que tu gardes pas tes jobs longtemps. Ben, donc bon, on peut pas dire que tu gardes des employés longtemps non plus. Je suis pas le premier gameneur que d'employés, hein? Ben, tu sauras, espèce de petit fatigant, que les employés, c'est moi qui les engage, puis c'est moi qui les mets à la porte. Parce qu'ils sont pas plus fiables que toi. Encore aujourd'hui, j'ai un téléphone de cette Marceline, comme parce que tu y étais pas passé, comme d'habitude. Ben, ceux qui se plaignent, là, c'est ceux qui déneigent pas le chemin comme du monde. J'ai pas envie de rester pris dans un banc de neige, puis de rester là bloqué, moi. Parce que je peux pas dire que je te fais pas des bonnes tournées. À part de ça, là, ça fait pas ton affaire, t'as juste à le dire. Oh, Dieu, je te dis, t'as pas peur du monde, toi? Ben, il manquait plus que ça. Toi, tu vas venir là-bas, je vais te parler. Hey, lâche-moi! Marche, te prends! Bon, ben, Robin, on va régler ça tout de suite, cette histoire-là. As-tu compris? OK, Mme Dantin. Je te fais mes excuses. C'est vrai, j'étais pas mal plate. Ben, tu sais, des fois, dans les filles, on a le goût de faire la fin-fin. Mais j'aimerais ça garder ma job. Je vais être sérieux. Veux-tu me donner une chance? Bon. Je vais te donner une chance. Mais encore une scène comme un matin, puis je te mets dehors. Ah, j'oublierai pas. Et tu vas voir, là, je vais t'embarquer le pain du père Hector, là. Je vais faire ma bonne en clignant ciseaux. Hé, exagère pas. Arrive-moi pas avec un accident, là, toi, là. C'est glissant, un matin. Lysiane? Monsieur? C'est tout ce que t'as à faire? Ben oui. Je sais plus servir le monde. Il y a personne qui vient le matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Pauvre enfant. Tant qu'à regarder autour de toi pour voir qu'il y a bien des affaires à ranger. Tu vas mettre le plus de pain ici, pour que t'ailles en chercher derrière. Puis c'est pas rangé comme à l'accoutumée. T'as rien fait. Il reste plus de bain sur le comptoir, faut que t'ailles en chercher d'autres. Autrement, les gens vont penser que notre provision est finie. Faut que t'ailles aussi prendre la mope. C'est tout mouillé, faut que tu nettoies l'entrée. Tu liras chez nous. Ici, t'as des responsabilités, comprends-tu? Hé, hey, papa, calme-toi! Lysiane! Mais tu me dis ce que t'as dans la tête. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Comment ça? Si tu veux retourner chez ta mère, t'as qu'à le dire carrément. Je retournerai jamais chez ma mère. À cette heure, c'est décidé. Dans ce cas-là, faut que tu fasses un effort. On reste avec du monde correct. Des gens respectables qui ont eu la charité de t'engager. Il faut que tu fasses l'effort de te conduire comme une fille fiable et intelligente. Autrement, on va carrément te mettre dehors, puis tu trouveras pas d'autre job dans le village. Penses-tu que je vais te garder à la maison rien faire, moi? À moins que tu décides de retourner à tes études.
Il pousse pas, le père. Je vais pas retourner à l'école. J'ai pas envie de m'aligner avec des petits bouts. Ben, t'as pas fini tes études en 9e? Ben, c'était pas vrai. J'ai fini en 6e. En 6e année. T'es pas plus sérieuse que ça. Alors que t'as la chance d'avoir une place ici. Oh, franchement, t'es décourageante. Hey, papa, je décide de pour servir le monde, pas pour frotter les planchers. Madame Berthe t'a engagée pour tenir la boulangerie. Ça veut dire bien des choses. À part de ça, j'aimerais bien que tu ailles pas trop avec ce Robin. Un garçon qui m'a pas l'air d'avoir plus d'allure que toi. Avant, tu te tenais avec le jeune Martin Jacquemin. Au moins, ça a été un qui avait du bon sens, ça. Martin est parti pour Saint-Hyacinthe pour 15 jours pour prendre un cours. J'ai envie de me retrouver tout seul, moi. On peut sortir des garçons sans en avoir besoin 24 heures par jour. Au travail, je veux pas que tu te tiennes avec Robin. Pourquoi? Il est le fun. On fait rien de mal. On se parle, puis... Puis soir, on va danser. C'est justement... Tu vas danser trop souvent. Tu rentres trop tard, puis t'arrives plus à te lever. Hey, le père, tu commences à m'achaler pas mal, là. Tu fais toujours exprès pour me renoter. J'ai 19 ans, j'en ai pas 70. Faut profiter de la vie un peu, calmaire. Puis coudonc, je trouve qu'il est un peu tard à cette heure pour commencer à m'élever, hein? Prends pas ça mal. Il faut que tu restes ici à travailler avec moi. Depuis que tu te tiens avec Romain, il n'y a plus moyen de moyenner. OK, je vais faire attention. Je me demande si c'est pas depuis ton séjour chez ta mère que t'es revenu comme ça. C'est bien sûr que maman m'a fait comprendre quel genre de type t'étais. Ah oui? Tu m'as donné un peu ça? Ben, il paraît que dans le temps à Québec, t'as jamais été qu'un petit garçon à sa maman. T'as jamais pris pour ta femme. C'était toujours la belle-mère qui venait toute. Je te défends de dire la belle-mère. Pour toi, c'est ta grand-mère. Parle-en avec déférence. Ben, si la grand-mère était morte quand tu t'es mariée, ma mère aurait peut-être pas sacré son cœur à calmaire. Il n'y a rien qu'une personne dans le monde que t'as aimée. Puis c'est ta mère. Même moi. Tu m'as jamais aimée. Puis si tu me gardes avec toi aujourd'hui, c'est parce que t'as des remords. Ben, c'est ça qu'a dit ma mère. Remarque bien qu'elle non plus de son bord. Elle m'aime pas ben ben. Même que, depuis que je vieillis, je pense qu'elle commence à me trouver pas mal encombrante. Surtout quand ses hommes trouvent plus jolie qu'elle. Alors, si tu sais tout ça, si tu comprends tout ça, pourquoi est-ce que t'es revenu la veille du jour de l'an? Je le sais pas. Parce que j'ai compris que là-bas, je serais plus capable de vivre. Puis ici, ben, c'est nouveau. Le monde est plaisant. Les garçons aussi. Puis, j'ai une petite place dans ta maison. Je pense que je veux son père. Je veux faire de mon mieux. Je vais tout faire ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu vas-tu m'excuser? Peut-être que maintenant qu'on s'est parlé, ça va aller mieux entre nous deux. Merci, papa. Faire savoir que les grands-parents vont avoir leur place. Oh. On va pouvoir les conduire jeudi prochain. Mon Dieu, que ça me soulage! Oh, je me faisais plein de remords, là, parce que je laissais tout sur le dos de ta mère.
D'un autre côté, ici. Fais-toi pas de soucis, tante Matou. Maman, elle aimait bien mieux te savoir auprès de Berthe à l'aider que de t'avoir avec elle. Comme ça, là, c'est vrai, là, c'est fait. Les grands-parents vont s'en aller. Oui, c'est pour le mieux, hein? Là où ils vont être bien soignés. Ils ont une grande chambre, bien claire, sur un côté tranquille, avec un grand balcon pour l'été. Ah, ben ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Dis donc, on commence à voir que t'es vraiment enceinte, hein? C'est vrai. Sais-tu que la femme de Georges attend du nouveau? Non, maman me l'a pas dit. Ben oui. Je pense que cette pauvre Liliane a glissé sur une pleure de banane. Parce que quand elle m'en a parlé au téléphone, elle va pas l'air trop enchantée. Ben, tu comprends, elle prenait plus rien, hein, pour empêcher la famille. Puis elle se pensait devenue stérile. Ça fait 5 ans depuis son dernier. Ouais. Ben, ça va porter à combien la production Jacquemet, ça? 11. Oh! Samina? Mais je suis pas inquiète pour la belle Liliane. Elle la va aller se reposer à moi, en Floride. Elle était assez déçue quand j'y ai dit que je pouvais pas aller garder les enfants pour ce temps-là. C'est bête, hein, mais... Avez-vous remarqué qu'on parle toujours de cette pauvre Liliane que, comme si c'était pas de la famille? Hein, y a toujours un peu de moquerie dans ce qu'on dit. C'est vrai, ça. C'est pas fin, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Tellement snob. Oui, mais il faut penser qu'elle fait une bonne femme pour notre frère. On peut pas demander mieux, hein? C'est une fille qui est bien élevée, qui a fait des études. Georges, il fait bien de l'argent, Joliette, et pour être la femme d'un gros dentiste qui a beaucoup d'amis, elle est parfaite. Hein? Elle est habituée au voyage, au spectacle. C'est vrai, t'as bien raison. Ils mènent pas du tout le même genre de vie que nous autres. Et tu trouves pas que je suis pas mal grosse, moi, pour 4 mois? T'as peut-être des jumeaux? Hey, arrête ça, toi! Mais il n'y en a pas dans la famille, ni d'un bord ni de l'autre. C'est pas des jumeaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai juste le goût d'être prête. Mais sur le monde, si, mais... Faut se parler un peu. On est en janvier, on se marie dans 4 mois. Faut se connaître. D'après toi, on se connaît pas. Quoi? Pas tellement. On s'aime, mais... Faut qu'on se dise comment on voit les choses, la vie. Il y a bien des affaires que je voudrais te demander. On sait même pas où on va rester quand on va être marié. Ben, on restera où tu voudras, Annick. C'est pas une solution, c'est pas ça que je veux dire. Il faut qu'on se trouve une petite place à Sainte-Marie-des-Anges, proche. Il faut aussi savoir si je vais continuer de travailler à Caisse populaire. C'est vrai, hein? Il va falloir qu'on se mette à penser à tout ça. Tu vois tous les problèmes que ça donne de se marier, là. Autrement, ce serait tellement simple. Comment ça, autrement? Savoir, je vais passer par où tu voudras. Quand t'as juste à donner des ordres, là, puis tu vas tomber. Ouais, en allant sur la route aujourd'hui, je vais chercher une petite place à louer, pas de problème. Marcel, faut faire ça à deux. Je sais même pas ce que tu gagnes, quel genre de logement que tu peux. Tu as bien raison. Ça fait penser que ma mère m'a dit qu'elle me donnerait une augmentation, vu qu'on se marie, toi, deux. Elle propose même de nous donner tout le haut de la maison pour faire notre appartement. T'as pas dit oui, hein? Non, je vous dis que je t'en parlerai. Notre-Dame de Lourdes, c'est bien trop loin pour mon travail. Ouais, je m'entends ça, sais-tu. Si on se marie, c'est pas pour aller vivre avec la famille, ça. Tu vas voir, on va se trouver une petite place. Ma mère m'a proposé de me donner son beau coffre en serre pour que j'y mette mes provisions. Tu vas faire des provisions? Des provisions de quoi? Pendant les 4 mois qui restent, faut que j'achète du linge de maison. Toutes choses qu'on aura besoin. Berthe m'a dit qu'on devrait faire un budget pour nos meufs. Tu t'en sais, Annick? Marcel. Pourquoi on va pas chez les parents dans le salon? C'est plate ici. T'es sûr qu'on sera pas obligé de veiller avec toute la drôlée? Mais voyons. Les parents, c'est pas.
va des fous. Puis c'est pas la première fois qu'ils ont des amoureux dans la place. Si on va dans le salon, on nous achètera pas, t'es sûr? Est-ce que je t'ai dit que non? Martin, il y a même plus dans le salon. Oh, ben non, pas Martin, par exemple. C'est pas le genre de veillée qu'il aime. Ah, parce que nous autres, on a le genre salon. Nous autres? Les fiancés? C'est pas pareil. Je pensais jamais que t'étais chaude de même, toi. Sais-tu que je vais trouver le temps long, là, d'ici à notre mariage? On devrait avancer à la date, Annick. Pourquoi? Attendre quelques mois pour être heureux, c'est rien dans la vie. Puis ça a bien du charme. Tu vois, Esther, j'ai plus peur de toi. Je sais que tu vas me marier, alors je peux te montrer comme je t'aime. Veux-tu bien me dire qui c'est qui t'a appris à embrasser de même, toi? Personne. C'est pas bien? Ben non, au contraire, c'est pas ça que je dis, mais... T'es sûre que t'as jamais embrassé un gars comme ça? Hey, viens-tu fou? Jamais. C'est-tu merveilleux? Je suis tellement content, Annick. T'es drôle, pourquoi tu dis ça? Ben, parce qu'à cette heure, là, je regrette rien. Comment ça, tu regrettes rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends, c'est... Si on va jusqu'à marier une fille, on est bien content quand on se rend compte que ça vaut à peine. Ben. Moi, je t'aimais bien avant que tu m'embrasses la première fois. Je t'aimais, puis en même temps, je t'ai hissé. Je rêvais de t'embrasser, puis de te battre. C'est drôle. T'avais l'air trop sûr de toi aussi. Ben, envoie, Yannick, bats-moi, graffille-moi, fais-moi mal, j'aime ça. Ben, voyons donc, Marcel. Arrête ça. À cette heure, je veux plus te faire du mal. Je veux juste t'embrasser, t'aimer, puis être douce. Ben, douce avec toi. Maudit que ça va être bon.